Les allocataires du RSA et les recruteurs communiquent directement par l'intermédiaire de la plateforme internet Job Vaucluse. On est bien guidé tout au long de la navigation. Une fois le profil complété, les candidats ont accès à des offres d'emploi qui se situent sur leur territoire grâce à la géolocalisation, un paramètre qui a toute son importance. Ça nous permet de voir plus facilement les offres d'emploi qui nous concernent. C'est le gros point fort de cette plateforme, en effet. Voilà, par rapport à d'autres plateformes où on peut tomber par exemple sur une offre sur Avignon, mais qui nécessite de prendre des transports en commun. Côté employeur, le recrutement local est aussi un atout. À l'instar de ce fabricant de pâtes bio en plein essor qui emploie à Entraigues déjà 35 salariés, tous en CDI. La qualité bien homogène. Voilà, oui, ça. La couleur est belle. Biovance fait partie des 24 entreprises inscrites sur la plateforme Job Vaucluse, réservée aux allocataires du RSA. Et leur profil n'est pas un frein à l'embauche. On forme les gens, quel milieu qu'ils soient. Et on a quelques pépites, comme on peut dire, dans l'entreprise qui arrivent de milieux réinsérés. Chaque année, le Vaucluse consacre 98 millions d'euros par an pour le RSA. Une progression de 60% entre 2006 et 2017. Mais avec ce nouveau dispositif, le département espère inverser la tendance. Si sur ces 15 000 allocataires, chaque année, on en trouve 400 ou 500 qui retrouvent du travail, pour nous, c'est une réussite. Avec jobvaucluse.fr, le conseil départemental fait figure de pionnier. C'est l'un des tout premiers départements de France à se doter d'un tel outil, après le Loir-et-Cher et l'Indre-et-Loire.